Maître Mafutaka Bongo, conjointement bien de façon, avocat après la foule de la comparaison conjointe, maître Kapaloba à premier mars. Avec maître Onyemba Laurent, avocat au même barreau. Conjointement avec maître Iban Nakapatachi, du même barreau. Enfin, avec Olivier Kassai, du même barreau. Examinons l'état de la procédure, la dernière feuille d'audience datant du 5 septembre 2023 renseigne que la remise avait été contradictoire à l'égard de toutes les parties. Sur ce, le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard de toutes les parties sur remise contradictoire. Merci Madame le Président. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui parce que notre débat de la fois passée a connu un revirement. C'est dans l'intérêt et de la science et du droit. Nous avons, la dernière fois, planté le décor sur la manière d'atteindre les prévenus. Nous sommes heureux que le ministère public, dans son intelligence légendaire, ait donné raison à ce débat. Et je pense qu'il y aura une certaine constance dans les décisions qui vont venir dans l'intérêt de la loi. Parce que nous l'avons rappelé, vous allez voir le scénario de cette audience. Ça va être très court parce que nous avons pensé que la religion du tribunal ce jour-là n'a pas été éclairée. Mais avant qu'on y arrive, les éléments élémentaires du code de la famille, ou même en droit de la famille, renseignent qu'il y a un problème avec nos artistes. Le problème est lié au nom. Et vous savez, le fait de se transporter à là-bas, mettre une touche, prendre la parole pour le compte de X ou de Y personnes, nous connaissons toute la discussion autour de l'appropriation, le porteur de pièces, mais nos stars ont parfois des noms un peu compliqués qui échappent aux éléments constitutifs tels que poulet dans le pot de la famille. Alors nous voulons dire, pour nous rassurer qu'il s'agit effectivement d'une personne certaine
viable qui a trouvé préjudice dans le comportement de notre client ici, Gauthier C, qui collabore de façon légendaire avec la justice. Nous voulions exiger la comparution personnelle de M. Ntimba, parce que même dans les actes qui sont au dossier, tantôt il s'agit de Fally Ipupa, tantôt il s'agit de Ntimba Fally Ipupa, et ce n'est pas à ce niveau. Et je n'entends pas faire un débat avec des confrères dont je connais la facture intellectuelle à gauche sur cette question d'identité. Et donc, quand vous regardez une vince, je vais juste lire pour l'intérêt de la science. Il dit, lorsque le tribunal a vérifié la régularité de sa saisine et sa compétence, et qu'aucun obstacle ne l'empêche d'exercer sa mission juridictionnelle, il lui importe de connaître les faits et les circonstances qui requièrent l'application de la loi pénale. Le tribunal répressif procède à une recherche active portant sur tous les éléments matériels et moraux requis par la loi pour déterminer si les faits dont il est saisi sont constitutifs d'infractions et quelles sont et quelle est leur gravité. Il a été jugé, et cela n'élude pas les préalables. Il faut le rappeler, nous avons une batterie de préalables et même nous avons des actes qui constatent que le droit était énervé dans les décisions précédentes. Ça va venir. Mais qu'il a été jugé, parce que nous avons, on s'est rendu compte plus tard, que le problème, ce n'est pas nécessairement la loi. Je viens de faire un petit travail où j'ai lu 117 constitutions. Je n'ai pas vu une seule constitution où on dit non, tel État est proclamé un État qui n'est pas de droit. Non. Tous les États se réclament un État de droit. Et donc, j'ai pris notre tangente et j'ai commencé beaucoup plus à parler à l'intime conviction. Même un auteur qui s'est attelé à réfléchir sur la question. Donc, il est un moment important de parler à l'intime conviction que de s'atteler à une dimension proclamatoire des normes, parce qu'elles ne sont pas nécessairement bien observées dans l'écriture, encore moins dans l'exercice. Alors, il a été jugé en France. Nullité de la citation directe pour imprécision. Défaut de précision de la qualité des prévenus, des civilement responsables ou des témoins de la personne citée et absente de visa. Ça, c'est en France. Vous savez que notre droit est généralement un droit mimétique, même s'il est orphelin dans la jurisprudence. Alors, nous voulons quand même que M. Fally, en attendant les préalables tels que agencés par Maître Dima Fouta et Maître Faso, que nous puissions voir M. Fally et nous rassurer qu'il s'agit de la même personne, sinon on risque de faire un procès à un compatriote par une personne fictive dont l'identité pose problème. Nous avons dit que c'est le premier préalable parmi les préalables. Surabondamment, votre honneur. S'il vous plaît, maître, nous aimerions que vous puissiez d'abord nommer, comme vous avez dit que c'est un préalable, que vous puissiez nommer ce préalable et en tirer les conséquences. Ça sera fait. Nous sommes dans un collectif. Okay, ça sera fait dans la suite. Surabondamment, votre honneur, pour appuyer les propos combien pertinents allégués par mon confrère. L'identité de la personne du citant est une mention substantielle. Elle est d'autant plus substantielle parce que M. Sey doit savoir qui l'a assigné en justice. Votre honneur, vous nous avez accordé 2 semaines pour réunir les éléments. Dans ce flash disk, votre honneur, j'ai 10 ans d'interview de M. Ipupa Ntimba. 10 ans d'interview où vous voyez un Ipupa qui est né au mois de février, où vous avez un autre Ipupa qui est né au mois de décembre, un autre encore, et moi, au
pour le mois de décembre, février. Nous sommes perdus, votre honneur. Il est important pour nous, pour la partie citée, que l'identité de la personne qu'il a assignée en justice soit clairement établie. Parce que, votre honneur, les propos tenus par le journaliste Gauthier Sey lors d'un débat télévisé contradictoire renvoient à une personne. Est-ce la même personne qui est venue par devant votre tribunal? Est-ce une personne imaginaire? C'est pourquoi nous pensons que, pour la bonne administration de la justice, parce que, au regard du développement de ce procès, vous verrez qu'il y a beaucoup de non-dits. Nous ne voulons pas tout dévoiler ici. Nous aimerions que M. Simba Ipupa Fally vienne comparaître personnellement afin qu'il n'y ait ni doute, ni incertitude, ni imprécision sur la personne qui a assigné M. le journaliste Gauthier Sey en justice et justice pourra être clairement établie, nous avons dit. Un petit complément à faisant mienne. Toute la plaidoirie, le début de plaidoirie qui vient de se faire devant votre tribunal. Dans des termes clairs et simples, nous sollicitons la comparution personnelle de la partie civile. Parce que le tribunal, les avocats ainsi que toutes les parties devant cette instance. Mettre à l'intention du greffier le nom à chaque fois. Christian Kamvounzé. Je disais, le tribunal de partie ainsi que les avocats sont tenus par le contrat judiciaire, qui demeure la citation directe. Et dans cette citation directe, on me dit qu'elle a été faite à la requête de M. Ipupa Simba Fally. Dans la même citation directe, dans la partie où on relate le fait, on dit. On reproche à notre client d'avoir dit « Fally a ». Donc, vous comprendrez que M. Simba, M. Ipupa Simba Fally, est différent de Fally votre. La loi est éloquente à ce sujet votre. Parce que je m'en vais lire, faire lecture des dispositions. D'abord, du code de la famille, il dispose à son article 56 que tout Congolais est désigné par un nom composé de un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Donc, dans la citation directe, le fait de dire Fally a un seul élément, votre honneur, est différent de la partie citante telle que indiquée dans la citation à propos. La deuxième lecture, c'est les dispositions du code de procédure pénale votre honneur, à son article 57, qui dispose que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Donc vous verrez que, d'une part, on cite Ipupa Simba Fally. Et dans le corps, on dit qu'on aurait dit que c'est Fally qui arrive. Donc vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de la même personne. Il ne s'agit pas de la même personne. Nous relevons un préalable de préalable. Ce préalable n'étant pas à empêcher votre tribunal d'instruire votre nom. C'est préalable parce qu'il y a d'autres préalables. Ce préalable nous permet, nous parties prévenues, d'être sûrs que la personne qui nous a cité est effectivement la personne que nous avons désignée à l'émission votre nom. Donc c'est un préalable de préalable que votre tribunal puisse d'abord nous répondre sur cette question. Et évidemment, votre nom, nous pourrons acheminer notre façon de voir les choses pour relever également notre préalable que nous avons. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Madame le Président, Mesdames du siège. Vous avez rappelé à la détention du greffier le nom à chaque fois. Jean-Marcel Tadea Mouy. Monsieur le procureur de la République, ce n'est plus utile de dire que c'est ridicule d'avoir cette idée de départ.
finalement, à la barre, c'est tout ce que la crème du barreau du Congo nous présente. Ce n'est plus utile. Dites que c'est ridicule. Le dernier intervenant qui parle du nom, lorsque le greffier, à la demande de votre tribunal, veut connaître son nom, il dit c'est Maître Christian. Il s'agit de Maître Christian quand vous êtes. Est-ce que nous devons émettre un doute là-dessus? Qu'il ne s'agit plus de Maître Christian quand vous et qui a fait sa comparution avant. Il a dit tout à l'heure, Maître Christian. Tout simplement. C'est ridicule. Mais derrière ces ridicules, nous sommes heureux. Parce que nous avons entamé avec les prévenus l'instruction et la cause. Maître Kamvounze Christian a même pénétré le contenu de la citation directe. Il pose la question de savoir, mais lorsqu'on reproche à notre client, dans ce passage-ci, Fali a dit, est-ce qu'il s'agit de la personne qui nous poursuit ou ce n'est pas, il ne s'agit pas de cette personne-là. Nous sommes en pleine instruction. Parce que l'instruction, en réalité, c'est la partie du débat pénal qui permet aux parties de pouvoir porter à la connaissance du tribunal les faits pour lesquels le tribunal a été saisi. Qui permet à la partie prévenue de poser, s'il échec, des questions, des précisions. Ce n'est que pendant la partie qu'on appelle instruction. Nous allons aller dans l'instruction et en réalité, après notre intervention, vous devez permettre au ministère public de lire le contenu de la citation directe. Parce que le prévenu est dans la citation directe. Nous sommes en pleine instruction et ça, c'est l'unique satisfaction des 15 minutes que nous avons eu le bonheur d'entendre tout à l'heure. C'est l'unique satisfaction. Après, un intervenant a dit qu'il a lu 117 constitutions étrangères. Il a lu toutes ces constitutions, mais il s'est empêché de lire le code de procédure pénale. Alors que son client est agréé conformément au code de procédure pénale congolais, il est allé lire toutes les constitutions de tous les autres pays, sauf lire le code de procédure pénale qui peut lui permettre de défendre son client. Est-ce que c'est un argument de quoi? De dire que j'ai lu 117 constitutions. Alors, qu'est-ce que ces 117 constitutions ont dit? Et qu'est-ce que le contenu ou l'intelligence que vous avez tirée de la lecture des 117 constitutions aide à l'instruction de la cause qui est appelée maintenant là devant votre juridiction? Bon, après, mais nous, nous savons déjà en fait que le confrère a soutenu une thèse. Ce n'est plus utile de nous rappeler que vous avez lu. Parce que pour soutenir la thèse, vous avez lu certainement les textes. C'est peut-être à l'intention des journalistes. Parce qu'eux, peut-être, ne sont pas encore informés. Mais nous, nous le savons. Alors, on nous a ramenés dans un débat, et je n'en dirai pas beaucoup à ce sujet, parce que ce débat est clos, de l'audience passée, de comment votre tribunal s'était déclaré saisi et qu'aujourd'hui, il y aurait les virements juste passés. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans la salle, évitez à la fois de suivre le juge, de parler à votre client et d'être dans votre téléphone. Parce qu'il y a des éléments essentiels du débat qui vont vous échapper. Le cas qui a donné lieu à la décision que votre instruction a prise tout à l'heure n'a rien à voir avec le mode de saisie et la manière dont vous êtes déclaré saisi il y a deux semaines dans cette émission. Aujourd'hui, pour peu que j'aie réclamé quelque chose du débat de l'affaire qui ne nous concerne pas, mais parce qu'on l'a évoqué, pour justifier sa prise de parole, visiblement une manière tout à fait essentielle, c'est que la partie, alors qu'elle a été attrayée devant le juge pénal par citation directe, le mode de signification a été par la poste, mais à son adresse professionnelle. Et votre tribunal a dit non, à cette adresse-là, lorsqu'il ne s'agit pas du domicile, il faut que la signification s'efface à personne. Oui, ça c'est du droit. Mais dans l'affaire, la nôtre ici, il ne s'est jamais agi d'une notification à l'adresse professionnelle.
D'ailleurs, ça nous avait été suggéré par un des conseils de M. C. Nous avons dit non, nous voulons rester dans les codes de procédure pénale, nous ne voudrons pas aller dans les 117 procédures. Parce que ça, c'est le résultat de la lecture des 117 procédures. D'autres pays, il faut rester ici. En restant ici, nous pouvons avoir un débat de droit. Évitez-nous, s'il vous plaît, les choses qui n'ont rien à voir et qui ne nous avancent pas dans ces débats. S'il vous plaît. Votre juridiction a posé une question intelligible et qui en réalité a battu déjà en brèche les 15 minutes que nous avons entendues tout à l'heure de la lecture de tous les textes d'ailleurs. Mais, dans tout ce que vous avez dit là, comment vous intitulez les moyens et quelle est la conséquence? Entrons. Alors, on a dit, nous, laissez-nous d'abord parler, nous sommes nombreux, nous allons parler, lorsque nous allons finir de parler, nous allons finir. Madame, visiblement, tout le monde a fini de parler sur ce moyen. Personne n'a intitulé les moyens. Madame, apparemment, Maître Onyemba veut prendre la parole, parce qu'il parle au même moment que moi. Ah, merci. Alors, et ça, c'est essentiel pour en écouter les autres. Il ne faudrait pas parler par règlement. Quel est le moyen de parler? Tout le monde a fini de parler. Le dernier intervenant était censé conclure. Il n'a pas compris. Alors, j'ai entendu ici et là, on a parlé de la problématique de la saisie. Est-ce de cela qu'il s'agit? J'ai entendu parler de l'identification du citant. Okay. Les moyens de droit, c'est bon. Vous sollicitez une remise pour que les citants comparaissent. C'est quoi votre demande encore? Si on a parlé, on a fini. Qu'est-ce que nous pouvons retenir que vous avez demandé quoi au juge? Et qui est une conséquence en droit. Et qui constitue un préalable quelconque qui vous empêche de procéder à l'instruction, d'ailleurs, qu'ils ont déjà entendu. On vous a indiqué ici que l'identification du citant était un élément substantiel. Bon, on s'est arrêté à dire substantiel. Est-ce substantiel de la validité de l'exploit ou substantiel de la validité de la procédure? Dites-le, nous allons vous répondre quel que soit les cas de figure. Parce que la loi a donné une suppression. Les dispositions du code de procédure pénale, lisez-le quand même. Lisez-le quand même aussi. Lisez-le aussi un peu. Au-delà des autres textes. Indique clairement, notamment l'article 71, que avant votre instruction, vous devez procéder à l'identification du cité ou du prévenu. Selon les cas, l'identification qui est entendue ici, c'est celle du prévenu. Alors, on vous dit, est-ce un préalable au début de l'instruction que la comparution de la partie citante? Non. Pour la partie citante, s'il vous plaît, lisez aussi un tout petit peu. Au-delà de tout ce que vous lisez d'ailleurs, lisez un peu le code de procédure pénale. Il dit que la citation directe en tant qu'exploit doit permettre d'identifier les parties au procès. Il me semble que sur cette citation directe, qu'il y ait une identification suffisante du citant et du cité. L'identification. Alors, le moyen, est-ce la contestation de l'identité du citant? Qui conteste? Vous êtes son parent proche, vous êtes. Aujourd'hui, avec les mariages pour tous, même deux hommes peuvent également se mettre ensemble. Est-ce que vous êtes un de ces conjoints et vous êtes en train de douter de l'identité en disant mais c'est mon conjoint, mon chéri, Fali qui est en justice. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Pour l'intervenant qui a posé la question. Est-ce que vous êtes son conjoint? Est-ce que vous êtes son parent? Vous doutez de son identité? À quel titre? C'est pour la première fois que je vois la partie prévenue parler de l'identité du citant en disant que je veux savoir si la personne qui m'a cité, c'est celle que j'avais diffamée, parce que c'est en réalité ça l'aveu finalement. Est-ce celle que j'avais diffamée à travers mes propos
ou il s'agit de quelqu'un d'autre, un imposteur. Alors s'il s'agit d'un imposteur, ne me poursuivez pas. Attendez que je sois poursuivi par celui que j'avais diffamé. Ça ne pourrait être que ça, plus ou moins, l'intelligence qu'on peut tirer et l'intervention. Mais, quel est le fondement légal de ce que vous demandez? Quel est le fondement légal? Alors, Maître Mafouta nous a amené dans un débat de la date de naissance. Maître Mafouta, voulez-vous amener un bouquet de fleurs à Fanny à sa date de naissance? En quoi cela vous intéresse personnellement? Parce que le code de procédure pénale ne prescrit pas que le citant indique son lieu et sa date de naissance. Les constructions ne l'indiquent pas. Les législateurs ne l'indiquent pas. Vous le demandez à quel titre? Et sous le fondement de quoi? S'il vous plaît, arrêtons de venir parler pour la presse. Parlons au juge. Et au juge, on parle du droit. J'ai l'impression que l'exercice auquel nous nous adonnons dans ces procès semble être destiné davantage à la presse et à l'opinion pour des raisons diverses. Ils peuvent être électorales, ils peuvent être de n'importe quelle nature. Mais on parle moins du droit et des faits portés à la connaissance du juge pénal. Alors, la date de naissance de M. Pourquoi constitue un moyen de nullité de l'exploit, de nullité de la procédure. Est-ce que vous dites qu'il y a obscurité du libellé parce que nous ne connaissons pas sa bonne date de naissance, alors que ceux qui sont intéressés à connaître sa date de naissance, ses parents qui l'ont mis au monde, et éventuellement un conjoint. À quel titre vous voulez demander? Et cela est constitutif de quel moyen de droit? Enfin, madame, après avoir perdu de cette manière, les prévenus vous disent le préalable, c'est la comparution personnelle du citoyen. Nous sommes donc dans la comparution des personnes devant le juge pénal. Les prévenus, lui, il y est tenu de par la volonté du législateur. Lui, il y est tenu. Mais la partie citante, elle ne peut venir que lorsque, au cours de l'instruction, il apparaît une question à laquelle seul lui peut donner une suite, une réponse. En ce moment, à la demande du juge, et éventuellement du président du ministère public, il peut être demandé à la partie citante de pouvoir prouver. Mais pour arriver à cette étape de la demande de comparution de la partie citante, il faut qu'on procède à l'instruction. Pour que nous puissions arriver à la question pour laquelle nous ne pouvons pas avoir des réponses en dehors de la présence physique et de la comparution personnelle de la partie citante. Nous recevons bien cette demande que M. C se présente. Procédons à l'instruction. Comme ça, lorsque nous arriverons dans la lecture des faits, dans l'instruction des faits portés à votre connaissance, à une étape où seule la présence de M. Ipupa peut aider à la manifestation de la vérité, en ce moment-là, vous pouvez faire l'arrêté, vous pouvez trouver un fondement. Donc, la demande de la partie prévenue ressemble plutôt à une demande pressante, incessante. Faites à votre juridiction de procéder vite à l'instruction des faits pour lesquels M. Seng et après devant votre juridiction. Donc, si c'est la comparution personnelle, nous avons dit dans quel cadre il peut se faire. Ce n'est que dans le cadre de l'instruction. Sinon, toutes les autres questions sont plutôt destinées à la presse et à l'opinion publique. À la sortie d'ailleurs, tout ce monde-là que vous voyez a l'habitude de convoquer la presse et autres. Vous aurez l'occasion de leur faire le compte rendu de ce qui s'est passé. Si nous avons dit, madame le président, s'il vous plaît, madame, on ne peut pas parler aux avocats, tout ce monde est coupé. Nous avons encore.
L'élégance oblige, madame. Nous avons la parole. Le confrère a dit tout ce monde que vous voyez a l'habitude de convoquer la présidence. C'est pas vous qui va nous distribuer la parole. Vous parlez sans tribunal. Vous parlez sans tribunal. Vous ne parlez pas que vous nous avez. Vous avez la parole. Non, mais nous parlons pour vous. Lorsque vous prenez la parole, c'est au nom et pour le compte de votre client. Que ce soit la partie citante ou la partie citée. Nous ne pensons pas qu'il y a un avocat qui est après par devant le tribunal des séances dans la cause sous examen, soit le 30 ou 130. Donc, essayez un peu de modérer, de mettre de l'eau dans votre vin, pour ne pas froisser les uns comme les autres. Merci Madame la Présidente. Mesdames les membres de la composition, Monsieur Maître Théo Bayan. Madame, quand nous sommes séparés, mesdames, quand nous sommes séparés le 5, c'était sur une promesse ferme. J'avais cru faire à des inspecteurs Colombo qui nous promettaient des preuves. On va aller à Paris, on va ramener des preuves, on va voir Vivendi. Oubliant même le rôle d'un avocat et d'un inspecteur judiciaire. Mais bon, nous nous sommes dit quand même, nous attendons des preuves. Mais quand on revient tout petit dans ces vols comme ça, parce qu'on n'a rien trouvé, je vais emprunter un mot qui est dans le code de déontologie d'éthique du journaliste. On parle d'un bon journaliste. Un bon avocat aussi, quand il se rend compte que son client a tort, un bon avocat, pas un avocat, un bon avocat revient voir son client. Il lui dit, écoute, là, ça ne va pas. Je ne vais pas plaider coupable. Je vais trouver des circonstances atténuantes pour essayer de convaincre le tribunal d'être clément à votre égard. On ne vient pas mais vous rendre. On ne manipule pas le téléphone, hein, en plein exercice. Vous devez être devant nous pour que nous puissions. Donc, les inspecteurs Colombo se sont révélés des inspecteurs Gadget, ceux qui connaissent les dessins animés de l'inspecteur Gadget, ils n'avaient aucune compétence dans les enquêtes. Mais ils arrivaient toujours à trouver des artifices, des subterfuges pour essayer de résoudre le problème. Et ce n'est pas devant vous qu'on va le faire. Maître Marcel a bien développé pour vous montrer que ce n'est pas appelé ça préalable l'exception parce que la question du tribunal était claire. Maître, c'est quoi votre mandat? C'est quelle exception? Ils ont été incapables de la démontrer, de la développer par devant le tribunal. Mais si c'est un aveu, pourquoi vous faire perdre le temps? On n'a pas besoin de perdre le temps. On est tous occupés et le tribunal a d'autres affaires à faire appeler. S'ils veulent plaider coupable, parce que là, en gros, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai diffamé Fadi. Il ne faut pas. Mais je n'ai pas diffamé, il faut passer ma famille. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Mais est-ce que les avocats se sont concertés entre eux avec leurs clients? Parce que la semaine passée déjà, leurs clients fait une émission avec la citation directe du tribunal et ils commencent à répondre à chaque moyen qui est dans la citation directe. Et il lui dit, tel sur la citation directe. Et il dit, j'assume, je l'ai dit, je ne demanderai pas pardon. Je suis très fort. Comme quoi, c'est trop facile d'être un petit caïd quand on a face à soi une caméra achetée chez des Chinois, il faut venir devant le tribunal pour développer maintenant ces moyens-là, pour apporter ces arguments. Parce que c'est ici qu'on doit convaincre. Ce n'est pas quand on est dans son salon en train de se filmer avec un téléphone. Donc, il n'y a pas lieu à ce que notre client sollicitant puisse comparaître par devant vous, parce que Maître Marcel l'a développé et il n'y a aucune raison à cela. Donc, vous allez nous inviter. Vous allez donc nous inviter à instruire. Mais si par malheur vous estimiez qu'il y avait réellement matière à avoir une exception dans tout ce qui a été dit, je vous inviterai alors à faire application de l'article 26 du Code de procédure civile qui vous donne le droit de joindre toutes exceptions au fond et de répondre à toutes fins utiles. Vous savez, dans mes habitudes, je n'ai jamais été chronique. J'ai toujours été laconique, mais un peu percutant. Donc, accordez-moi la parole
de façon si laconique, je veux simplement vous montrer cette petite préoccupation. Parce que jusque maintenant, je me rends compte que le droit est asphyxié. Et même la salle est aussi asphyxiée. Il y a une difficulté d'établir le corrélat logique entre la violation de l'article 57 du Code de procédure pénale et la comparution personnelle de la partie civile. Tout le monde a compris. C'est pourquoi j'ai dit que le droit est asphyxié. Quel est le corrélat logique, le cordon ombilical entre la violation de l'article 57 du Code de procédure pénale et la comparution personnelle? C'est un peu antinomique. C'est vraiment antinomique. Et c'est là où je me perds même en conjecture. Et d'ailleurs, monsieur, madame le président, monsieur le procureur, c'est là où se situe, là où j'ai dit, là les Romains, effectivement, ils doivent s'empoignarder, ils doivent vraiment s'affronter. Dans la pratique du prétoire, parler du prétoire, dans les différentes jurisprudences de notre pays, quelle est la sanction de la violation de l'article 57? Mais le problème part de là. C'est là le problème. Quelle est la violation, la sanction de la violation de l'article 57? Nous ne donnerons pas de réponse parce que ça, c'est prêter des béquilles à la partie prévenue, côté C, qui n'a pas su nommer son moyen. Nous n'allons pas donner des réponses. Mais vous, juge, vous avez déjà la réponse. Est-ce que la conséquence de la violation de l'article 57 du Code de procédure pénale, c'est la comparution personnelle de la partie civile? Ça, c'est rebarbatif. Ça, c'est-tu jamais entendu? Qui plus est? Bien, qui plus est? Madame le Président. On a fait allusion, vous avez lecture d'une jurisprudence se fondant sur le droit comparé français. On vous a fait lecture d'une jurisprudence en se fondant sur le droit comparé. La jurisprudence française. On dit non, c'est un motif de cassation. Lorsqu'on n'indique pas ou on a indiqué incorrectement le nom de la partie prévenue, le nom du civilement responsable. Mais curieusement, à moins que j'ai mal entendu, on n'a pas parlé de la partie civile. Si vous avez bien entendu cette jurisprudence, j'ai toujours été circonspect qu'on fait lecture d'une jurisprudence ou d'une disposition légale. Cette jurisprudence du droit comparé, issue du droit comparé, encore que tout ce qu'il y a eu dans un ouvrage français n'est pas nécessairement une jurisprudence. Ça doit être entendu. Tout ce qu'il y a eu du droit comparé français n'est pas nécessairement une jurisprudence. Mais même dans l'hypothèse où on lui donne une coloration jurisprudentielle, nulle part, on a fait allusion à la partie civile. Ça, c'était un, des deux. Mais dès lors qu'on n'a pas su nommer, déjà, les deuxièmes développements qu'ils sont en train de faire, c'est juste pour aider la partie prévenue. On se perd en conjecture, on se perd dans des élucubrations, mais on oublie qu'on est en face d'un procès pénal. C'est tout ce qu'on oublie. Nous sommes dans un procès pénal. Nous ne sommes pas dans un procès civil, administratif ou je ne sais pas quoi. C'est un procès pénal dont le maître de l'action sur le ministère public. C'est ça le problème. Le maître de l'action, c'est le ministère public. Et en plus, la partie prévenue, vous dit non, voilà. Parce que je vous rappellerai qu'à l'audience passée, la partie prévenue, vous avez dit non, accordez-moi juste 2 semaines. Juste pour préparer mes moyens de défense. Parce que je dois faire ceci, j'ai des devoirs d'instruction. Parce que eux, apparemment, ils instruisent. Parce qu'ils instruisent même devant les médias. J'ai des devoirs d'instruction à faire. Je dois arriver à tel endroit. Mais aujourd'hui, celui contre qui il veut se défendre, il dit non, je ne maîtrise pas cette personne. Est-ce que ce n'est pas rebarbatif? Ce n'est pas antinomique? Ce sont les antinomies de la partie prévenue? C'est antinomique? Comment on peut solliciter une remise pour préparer ce moyen de défense, c'est qu'il est constitutionnellement d'ailleurs garanti. Et par la suite, lorsqu'on vous accorde les avantages de cette remise, vous dites, je suis allé chercher le moyen de défense, mais apparemment, je peux encore chercher contre qui je dois me défendre. Mais ça, c'est quoi ça, au juste? Donc, qu'on ne vienne pas vous distraire, madame le président, monsieur le procureur. Vous avez compris déjà qu'ils font le forcing, comme l'ont dit mes dévanciers, ils font le forcing vers l'instruction de la cause. Nous sommes disposés à instruire parce que nous ressemblons à des serpents qui, chaque fois, quand ils vont à la chasse, c'est pour mort. Fallait pour peuvent nous mordre. C'est-à-dire qu'on instruise la cause, que le condamné soit condamné, et s'il sera acquitté par l'hypothèse la plus absurde, on puisse l'acquitter. Fallait pour être prêt à faire instruire la cause. Qu'on nous évite de dilatoires inutiles.
Voilà tout ce que nous pouvons dire à ce stade. Donc, déjà, la passerelle est là pour l'instruction. Invitez-nous à l'instruction, nous avons dit. Madame la Présidente, Mesdames les juges, Monsieur le procureur de la République, je viens de suivre une plaidoirie. Mais je réalise immédiatement que j'avais affaire à des avocats passionnés, à une partie qui est passionnée. Parce que lorsqu'un élève ne comprend pas la question qui est posée, il peut se mettre à développer, même ce qui n'est pas demandé. On appelle ça la plaidoirie extra causa. Qu'est-ce qu'on demande au tribunal? L'on vous dit, d'ailleurs, c'est ça la confusion. Les plaideurs qui viennent vous dire quelle est la conséquence de l'article 57, mais qui a parlé de tout ça? La demande, elle est simple. J'ai cru comprendre qu'un confrère avait compris finalement, parce qu'après avoir fait des péonnages, il est finalement revenu à la question. L'on vous dit, commençons l'instruction. Une question, une simple question, Madame la Présidente. Lorsque le tribunal examine les préalables, comment on appelle cet exercice-là? Nous sommes dans quelle étape? Mais l'instruction, vous n'aviez pas identifié le prévenu à l'audience passée? Vous l'avez fait. Donc, il se trompe. Je comprends la désillusion. On a cru que l'on viendrait et sur le banc, on obtiendrait la condamnation de M. C. Je comprends. Vous savez, quand vous verrez dans un procès et que vous n'obtenez pas la condamnation, vous devez vous mettre en tête que vous avez perdu. Mais le procès, il ne s'ouvre pas automatiquement. Il y a ce qu'on appelle, Madame la Présidente, les préalables, c'est-à-dire il faut que la porte s'ouvre. Quand vous faites mal les choses ou que vous n'avez pas suivi les règles de procédure, rassurez-vous, votre procès ou les fonds de votre affaire ne connaîtra jamais d'issue. Parce que la partie défenderesse pourra user de tous les moyens de droit que la loi met à sa disposition pour se défendre. Et cette défense, elle passe d'abord par la forme. Je suis un peu embêté d'entendre des pléonasmes et même des avocats avec qui, on doit le dire, certains avocats, nous sommes des amis. Mais venir parce qu'on a la passion, commencer à jeter des pics aux confrères, je ne le ferai pas. Imaginez un peu mon statut, ne me le permets pas. Mais qu'est-ce qu'on demande au tribunal? Est-ce en droit? Atterrissons en droit. Lorsque l'on demande la comparution de la partie citante, c'est un problème. Quelle est la disposition qui interdit que la partie citante ne peut pas comparaître? J'ai bien aimé, le confrère a bien dit, la loi oblige, dans certaines circonstances, notamment celles qui se rapportent à des infractions de plus de 2 ans, il doit comparaître. Nous, ici, on n'avait pas intérêt que M. Sept comparaisse. Il pouvait ou ne pas comparaître parce que la loi n'oblige pas. Mais s'il est venu, c'est pour le besoin de la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de mal lorsqu'on demande à la participante de comparaître? Pourquoi l'on doit s'agiter lorsque l'on dit que messieurs, la partie citante, monsieur Hippopantine Mafali, qu'il comparaisse. Ça concourt à la recherche de la vérité, justement. Madame la Présidente, telle était notre demande. Cette demande-là n'appelait pas aussi des démonstrations de pléonasme ou encore du néologisme pour démontrer qu'on est rhétorique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, venez. Vous avez obtenu l'autorisation du président? Et vous vous mettez à filmer pourquoi? En devant, je suis le grand. On avait fait passer le message, le grand s'est produit, mais il est strictement interdit de filmer les dérogations de l'audience. Si vous en avez besoin,
prière de contacter le secrétariat du tribunal, où on va vous orienter que faire. Ceux qui l'ont déjà fait, effacez-le. Parce que si on vous surprend, vous allez rester avec nous ici. L'audience suspendue est reprise. Madame la présidente, je veux adhérer. Rassurez-vous que nous ne sommes pas des maçons, nous sommes des architectes. Et chaque mot qui est posé ici devant votre tribunal, même l'allusion faite à l'audience passée, a une signification. Rassurez-vous, nous ne construisons pas une maison comme un maçon en mettant le brique, mais ça veut dire qu'il y a une architecture procédurale qui est bien mise en place. À l'audience de ce jour, et par cette demande, qui du reste n'offusque pas la partie adverse, nous disons que le tribunal ordonne la convocation ou la comparution de la partie citante pour la recherche de la vérité. Et cela concourt au même but d'un procès. Et donc, Madame la Présidente, quelle était notre demande, qui était simple, qui n'appelait pas qu'on s'attaque aux avocats, nous ne les ferons jamais. Mais sachez que c'est une architecture procédurale qui est mise en place. J'ai dit, je vous remercie. Monsieur le député, la comparaison de maître. Je suis maître Ntandu Tati Abordian, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour les intérêts de monsieur Gauthier C. Maître Basilea Junior, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour les intérêts de monsieur Gauthier C. On prendra 2 minutes. Deux minutes. On ne va pas s'étendre sur le secret. Votre honneur, en termes de réplique, j'aimerais placer quelques mots. Parce que vous savez, on nous a reproché tantôt d'avoir mis sans une de constitution des pays étrangers, votre honneur, mais il faudrait également bien lire notre constitution. Le mariage pour tous n'est pas consacré dans notre constitution. Le mariage pour Donc, dans nos propos, en tant qu'avocat au parti, nous devons éviter de dire certaines choses. En tout cas, le mariage pour tous n'est pas concentré chez nous. Deuxièmement, on vous a dit que nous n'avons pas nommé le mariage. Qu'on nous dise, est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est obligatoire qu'une partie puisse nommer son mariage? C'est obligatoire. Nous sommes avocats, peut-être, il y a le justiciable qui peut venir devant vous, et il y a des irrégularités, ça lui nommer. Est-ce que c'est obligatoire de nommer un préalable? Question. Troisièmement, votre honneur, on nous a parlé de la désaveu ou de l'esprit. Non, je comprends qu'on s'éloigne de cours de tribunaux, votre honneur, pour d'autres fonctions, on oublie certaines choses. Donc, de temps en temps, nos amis peuvent revenir à la barre pour vous mettre à jour. L'éloignement n'est pas un bon signe dans la procédure pénale. Nous disons que c'est un préalable. Pendant le préalable, on relève le fait que les noms repris sur la citation directe est différent du nom repris dans le fait, votre honneur. On dit qu'on a abordé les fonds, qu'on a abordé l'instruction, votre honneur. Mais ce n'est pas ici l'endroit pour venir apprendre aux gens comment. C'est quoi la signification d'une instruction en tant que procédure pénale? L'instruction, nous sommes les avocats d'un certain âge, nous les connaissons. Votre honneur. L'avocat qui m'a précédé a relevé une chose. Pour l'infraction qui est mise à charge de notre client entrepreneur, il n'est pas obligé de comparer. Il n'est pas obligé de comparer. Mais il est venu pour dire, ben voilà, moi je suis respectueux de la loi, je viens quand même pour me défendre. Et ce qui est bizarre, la personne qui poursuit fuit. La personne qui poursuit, la personne qui a intérêt que les choses avancent, et cette personne-là refuse de comparaître. Il vous dit non, moi je ne peux pas comparaître parce que la loi ne me l'oblige pas. Mais pourquoi vous avez accusé? Il faut être courageux. Vous voyez cette partie, même dans la situation directe, il ne donne pas son adresse. Il ne donne pas son adresse, votre honneur.
on cite le nom et on vous donne une adresse élue. Donc c'est une partie qui se croit tout puissant. Mais devant votre tribunal, il n'y a pas de tout puissant. Il faut avoir ce courage. Lorsque vous voulez accuser, venez également défendre votre accusation devant le cours de tribunal. C'est une demande que nous avons formulée devant l'auguste de tribunal, c'est tendant à la comparution de la partie citante, et nous pensons que votre tribunal nous répondra, et il n'y aura pas lieu à lui joindre ses moyens au fond, parce que ce en préalable, nous avons dit, nous avons encore d'autres préalables de votre nom, nous avons dit. Surabondamment, votre honneur, nous ne serons pas longs, mais il est de notre devoir de rappeler aux confrères que l'élégance, le respect sont des mises dans la profession. J'ai entendu parler de Colombo, des caméras chinoises. Ce n'est pas digne des avocats que nous sommes. Nous avons été respectueux de bout en bout. Votre honneur, la notoriété ne confère pas les immunités. La notoriété ne confère pas les privilèges des juridictions. Donc M. Timba ne peut pas se croire au-dessus du tribunal. Notre requête a été simple, votre honneur. Quand nous nous adressions au tribunal, nous espérions que de l'autre côté de la barre, il y avait des avocats chevronnés. Nous respections leur statut de professionnels. Mais s'ils veulent nous amener à expliquer l'intelligence cachée dans notre demande, dans nos moyens, nous allons le faire. Votre honneur a un droit, il y a ce qu'on appelle l'intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt, l'action n'a pas de sens. Quel est l'intérêt de cela? Bon droit à ni accident, nous avons dit. Madame la Non, mais c'est par rapport à lui et c'est moi qui chute. C'est moi qui termine. Madame le Président, je suis heureux et je peux même vous promettre de ne plus prendre la parole jusqu'à la fin du jour. Madame le Président, l'avocature est un métier noble. Et dans sa noblesse, c'est les hommes nobles qui accèdent à cette fonction. Et j'ai rappelé la fois dernière. L'audience est momentanément suspendue. On revient dans quelques poussières de minutes. Suspendue reprise. Je crois bien que le tribunal va repasser la parole à la partie de TCI pour poursuivre ses moyens. Merci, Madame le Président. Je ne serai pas long parce que
La suite des événements le prouve. Quand nous le disons, nous ne parlons pas avec passion. Un avocat sous sa toge n'a pour autorité que la loi et la déontologie. Si les avocats deviennent des warriors, il y a un problème. Madame le Président, vous imaginez que dans une affaire de cette nature, par des avocats chevronnés, avec plusieurs années de bar, qu'on arrive à s'insulter uniquement pour une demande en justice. Quand j'ai cité la Constitution, les gens estimaient que c'était facile et que je n'avais pas lu le code pénal. Non, c'est pas qu'ils savaient qu'il faut parler, pas seulement les dignes conditions des juges, mais aussi de l'autre côté de la barre. Parce qu'on sent la passion remplacer le droit. J'ai aimé ce que Marcel Kabeya a dit, un honoré, un estimé conseil, il dit, nous attendons une réflexion en loi, pas dans les attaques. Depuis que je suis sous la couleur de la touche, j'avoisine 15 ans de bar, je n'ai pas entendu les mots que j'ai attendus aujourd'hui à la où un avocat qui se met à la maison, consulté pour les comptes d'une telle personne, vient taxer les autres colons, même si c'est des oiseaux. Et curieusement, le tribunal n'a pas pu arrêter l'hémorragie. Madame, l'éducation est une question fondamentale dans le métier d'avocat. Et je le dis avec autorité. Nous avons demandé à tous les avocats qui prennent la parole au nom et pour le compte de leur client de se dépassionner. Ça veut tout dire. Merci Madame le Président. C'est pourquoi je revenais sur le propos parce que nous connaissons ce tribunal. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter le palais connaissent ce tribunal aguerri. Je l'ai rappelé de façon élémentaire que le ministère public m'a surpris agréablement aujourd'hui. Ça devait uniquement tomber sur la table pour que le ministère public trouve les avocats pour se constituer un avocat de la jurisprudence que j'ai estimé. Non, je ne tomberai pas dans les pièges de l'injure. C'est de la faiblesse éducationnelle et de la faiblesse professionnelle. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire pour rencontrer toutes les injures qui sont venues de l'autre côté. Et ce n'est pas non plus respecter ni le tribunal, ni les autres confrères quand on vient là-bas avec une condescendance de mieux connaître les Dupont congolais. La personne qui résout tout, qui pense que le fait d'amener quelqu'un là-bas, c'est la condamnation. Vous vous mentez à vous-même et vous vous trompez. La demande est simple. Nous avons des artistes dans notre pays et je vais vous en convaincre. Il y a un petit palais qui chante chez Abel Ajou. Tous les jours. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je n'ai pas là les réseaux sociaux. Il y a un petit Fali. Alors, nous ne savons pas. Nous n'avons pas dit que Côté Seille ne veut pas comparer. Nous n'avons pas dit que nous n'avons pas de demande à faire. Nous n'avons pas dit que nous avons une autonomie de compréhension dans la dimension sémantique des concepts. Le code pénal, même quelqu'un qui n'a pas fait le droit au campus, qui n'est pas un juriste, qui l'interprète mieux. Et il n'y a personne qui a l'autorité d'implémenter une disposition légale contraire à la loi à constituer à 9 personnes qu'on appelle le juge constitutionnel. Alors ici, je voulais dire aux uns et aux autres d'être modestes. Je voulais dire à M. Kabeya, qui est un grand ami à moi, okay, que nous sommes à ce moment-là aujourd'hui, pas du bon côté, mais du mauvais côté, parce qu'on ne peut pas accepter que les avocats là-bas s'insultent pour des cas bêtesses. Notre demande est simple, j'ai terminé par là pour ne pas abuser de votre diligence. Que nous avons dit, Madame le Président, la batterie d'exception, nous les avons. La pratique de la barre, nous l'avons. Les demandes à la justice, nous les avons. La nature juridique des demandes, nous les avons. Nommer les demandes, nous les savons. Ça ne suffit pas, n'est-ce pas, d'une compilation proclamatoire de décisions, de dispositions légales pour s'aggraver avec la personne à point. Les délégués, il faut être modeste. Il faut être modeste. Quelqu'un disait Frédéric Rouvière, un jour dans une défense d'antenne dans l'horaire, il dit, vous faites par moment
une dissertation doctorale, mais vous devenez docteur. Et de l'autre côté, quelqu'un ne fait une idée nouvelle. Donc on peut désormais faire une dissertation doctorale, être docteur, sans ne faire une idée nouvelle. Et là, il était contredit par son grand maître qui peut donner raison avant de mourir. C'est comme pour dire le caractère relatif de l'intelligence. Et c'est parce que c'est le mot magique, ici, c'est la démonstration de l'intelligence, de l'élégance, du pouvoir, du contrôle de tout ce qu'on a. Personne ne fait ce procès pour les besoins des presse. En tout cas, si vous me regardez dans le visage, les besoins de se faire élire est d'un camp, pas de l'autre. Je termine en disant, nous exigeons, nous demandons la comparution de M. Fali Ikupa pour ne fût que cerner l'identité de la personne qui a été enfoncée par les propos de notre client et que vous aurez ne fût que accéder à la moindre demande en attendant la batterie d'exception, madame. Et nous l'avons dit. Madame, prenez la décision en toute état de cause dont nous sommes résumés tout à l'heure, que leur demande trouve sa place dans l'instruction et la cause. Instruisons et arrivons au point de droit. Pour l'élucidation duquel il faudra nécessairement la présence du citant. Instruisons. Tout le monde a décidé de donner des droits. Ça va être l'occasion pour tout le monde d'exprimer les connaissances que tous nous avons en droit. Ça ne peut se faire qu'à l'occasion de l'instruction. Ça ne se fait là-bas. À une autre occasion, notre demande est d'instruire de manière à venir aborder la requête. On ne peut pas l'aborder en dehors de l'instruction. On vous parle du citant. Mais pour que justement vous puissiez arriver à cette question, on doit d'abord parler des délits à charge du cité. Dans sa défense, parce qu'il s'agit ici d'une défense, c'est à l'occasion de sa défense qu'il pourrait élever une question, un élément pour la réponse duquel il faudrait nécessairement la comparution de M. Ikupa. Allons-y. Nous voulons jouer le jeu. Instruisons et nous aborderons la demande. Commençons par l'instruire. M. Seng, il n'était même pas obligé de comparer en personne. Il est fait pour ses propres raisons. Il n'y avait aucune obligation légale pour lui de comparer. Au terme des faits mis à sa charge, il n'avait aucune obligation. Il comparait, c'est pour ses propres raisons. Il sait pourquoi il comparait et il sait pourquoi il comparait avec beaucoup de gens derrière. Voyez-vous. Donc, instruisons et nous allons aborder le sujet qui est la préoccupation de la partie citée. Nous sommes prêts. Merci beaucoup, madame. Conséquence, comme d'habitude, madame, c'est juste encore ma réitération de l'instruction de la présente réponse. Mais je veux rappeler à votre but de tribunal, je l'avais insinué dans mon intervention dénoncière. Nous sommes en matière pénale. Et Fali Ikupa ne vient ici que pour solliciter des postulations civiles. Donc la partie prévue ne venait pas bloquer l'action du ministère public. Ça, il faut que ça soit réglé. Parce qu'en réalité, qui est l'organe poursuivant? On a l'URBAS. Et ça, c'est mon auteur préféré. Mon auteur de prédilection, dans son compte 3, qui est l'organe poursuivant? C'est le ministère public. Fali ne s'agresse qu'à l'action du ministère public. Il n'est pas que pour sa postulation civile. Si au moment opportun, il advenait que vous estimez que ses postulations civiles sont irrélevantes, motivées du fait que son nom ne corrobore pas avec ce qui prétendument serait faussement ou de façon illégale mentionné dans la citation directe. Vous allez vous prononcer, vous allez jouer de ce malin. Mais la tour du ministère public demeurera pendante, madame. Ça, ce sont les ABC du droit. C'est les droits pour lesquels, comme mon estimé confrère du collectif dit, aujourd'hui le droit sera dit. C'est de cela que je dis. Quand je dis, comme mon estimé confrère en train de dire, que le droit sera dit aujourd'hui, il s'agit de cela. Dans un procès pénal, qui est l'organe poursuivant? C'est le ministère public. A-t-on dit? Oui. Même si nous avons forcé sa main, parce que j'envoie les chuchotements de l'autre côté, et ça c'était un langage
qui est décrié par tous les doctrinaires du droit processuel pénal, sans c'est la main du ministère public. Non, rien c'est contre cette pratique-là. On ne force jamais la main du ministère public. Toute action pénale, c'est l'action du ministère public. Et la partie civile, c'est grève à cette action. Donc, c'est une façon d'aborder, madame, cette histoire d'identification, ce débat, c'est un débat purement civil. Mais l'action publique est pendante quand un poursuivant doit faire son travail, madame. Quand le poursuivant doit faire son action, pendant l'action du ministère public, si on entend utile, le public estime que la personne qui sollicite dommage et intérêt n'est pas faillible ou pas. Mais là, par rapport à ma population civile, vous allez nous démonter, madame. Mais pour le moment, procédez. Le ministère public est en action pendante, madame. Nous avons dit. Madame, merci madame la présidente. Je ne serai pas gentil. Non, non. Je vais mettre ma scène. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que les faits sont présentés par le groupe sont pour une infraction distincte, deux infractions, dont la diffamation. Et pour cette infraction-là, par exemple, il n'est même pas besoin que les diffamateurs aient cité le nom. La jurisprudence dit que ça suffit qu'on soit capable d'identifier de quelle personne il s'agit. Donc, cela vous permettra de comprendre qu'il n'y a aucune obligation pour le citant d'être ici présent. Il est représenté par ses conseils. Il n'y a aucune difficulté pour son demande. Parce que nous avons, quand on a présenté notre modèle, nous avons un CD, nous avons beaucoup de moyens. Et là, c'était le premier matin que nous avons pu se répondre sur ce sujet. La partie support, quant à elle, estime que la comparution personnelle du cité à ce stade n'est pas de mise, étant donné qu'il n'est pas la demande de contrat de convention. Madame la Présidente, dans ses habitudes, le parti commence toujours par remercier. Ceci est une fait de la parole que nous avons portée afin de rencontrer la demande qui a été émise par le TC pour ne pas le citer, parce que c'est lui qui s'agit. Mais avant cela, Madame le Président, je ne vais pas employer un substantif que je n'ai pas aimé moi-même. C'est une culture. C'est trop fort, je ne veux pas le dire, parce que je porte toujours mes comptes. Mais je dirais plutôt que c'est une aberration chronique. Si des avocats, permettez-moi de le dire dans ce sens-là, que cette facture, vous se permettent de s'élancer des codes, des prophètes, des vous, et en présence des néophytes qui sont dans la salle, ça fait vraiment très mal. Et qu'on ne nous pousse pas à faire des choses. On n'a pas envie de faire l'occasion faisant le larme. On ne pousse pas vraiment et nous voulons que les choses se fassent correctement pour éviter les désagréments. Revenons à la demande de votre essai. Qu'est-ce que je dis? Je sollicite la comparution personnelle de la partie citante. Pourquoi? Parce que je voudrais savoir qui est tel. Exactement, on a participé. Des patriarches vivants, est-ce qu'elle existe? Mais dans le corps, on parlerait d'une autre personne. La question a été faite à une disposition du corps de la famille, que je n'ai pas bien marqué, et aussi au prescrit de l'article 57 du décret du 6-1959 pour contrôle des procédures pénales. Et il a poursuivi en disant, je voudrais le savoir, parce que actuellement, il y a plusieurs familles, la même petite famille qui jouerait, quoi, elle ne connaît pas la musique. Est-ce que c'est ces familles-là, ou bien c'est ça un autre famille qui m'a fait devenir? Réagissons à cela. Notre ami, la participante. Succinctement, il y a aussi. Là, il a commencé par parler de ridicule. Moi, je ne veux pas employer ces mots, c'est fort, vous pouvez éviter cela.
dit que est-ce que la demande de la partie citée ne comparait pas, quelle est la conséquence? D'ailleurs, par rapport à ce poignet, quelle est sa conséquence? Comment peut-on nommer cela? Et ensuite, quelle est la conséquence de ce moyen? Qui montre ici l'article 26 du code de procédure civile, parce que même nous ne comprenons pas, est-ce qu'un moyen? Il demande mais, que vous joignez cela. Personnel de la partie, mais il y a de la contradiction, parce que nous avons eu la chance d'être le ministère public et ont été voté seigneur, parce que c'est lui qui s'agit de ceci. Les faits se sont passés lors des débats contradictoires. C'est lui qui le dit. Vous dites qu'il connaît à qui il a affaire. C'est lui qui le dit. J'ai entendu cela ici à pas très longtemps. Et d'ailleurs, donc, quand il dit, je vais à tel endroit pour avoir de l'eau, c'est relativement une cause. Ça veut dire que Gauthier sait à qui il a fait. Il sait à qui il a fait. Et donc, nous aussi, nous avions cet argumentaire-là pour dire ceci. Même si il ne peut pas dire, je le dis, je peux continuer à poursuivre. Oui, je peux continuer à poursuivre. Parce que lui, le fait que c'est greffé à l'action du ministère public. L'article 69 le dit, c'est des bandits qui le disent. Au vu de ça, dans le président, et nous avons une proposition dans le président, c'est que cette affaire, il y a de la passion qui lui sont à ce ministère. Mais lorsqu'on peut faire pour une demande, une heure du temps, alors qu'il n'y a pas de prix de moyens de ce que nous éterniser ici, il n'y a pas de moyens de nous éterniser ici. C'est pour nous proposons que tous ces groupes soient soulevés une fois pour toutes, que nous leur rencontrons. On va concernant le président. Relativement à cette demande, nous estimons que je devais simplement la rejeter. Parce que cette demande a été. Merci, monsieur le procureur de la République, pour votre avis. Dans le tribunal, nous estimons que la partie citée, monsieur Gauthier Seigne, a formulé une demande qui sera répondue incessamment, mais invitant à présent cette partie de présenter ses moyens de forme sillante. Je retourne à madame le procureur. Je trouve que je forme un portrait d'un interpel formulé par M. Gauthier Seigne. En droit très pertinent, formé appel contre la décision, il est accordé la remise qu'ils avaient sollicité. Un moyen de droit très pertinent. Nous n'avons rien à faire, nous ne pouvons pas faire de commentaires sur l'acte d'appel. Monsieur Seigne a assisté à des avocats qui ont produit l'acte d'appel. Et on suppose que ce sont eux qui ont conseillé de former appel contre la décision par laquelle vous avez accédé à sa demande d'une remise à 2 semaines. Nous irons devant le juge d'appel. Nous allons faire rapidement la procédure à sa place, parce qu'il ne le fera pas. Nous allons tirer copie de l'affaire d'audience pour que Seigne dise au juge d'appel quelle est la décision contre laquelle il est en appel, et ça ne sera que le droit
comportez-vous comme le juge qui n'est pas le juge d'appel. Donc, prenez la décision qui s'impose en loi. Nous reviendrons, les cas échéants. Non, on ne dit rien, simplement disons que nous sommes sidérés. On nous a pris toute une heure d'échange. Une heure d'échange. C'est ça simplement. L'intention de l'assistance, c'est une image. Épargnez-nous de vos bruits parce que nous devons continuer avec ce dossier. On n'a pas encore fini. Je vais vous aider à signaler pourquoi. Nous pensons que l'audience sera. Messieurs le gouverneur de la République, messieurs. Protester par le biais de ce conseil a bondi un acte d'appel numéro 345/2023 datant du 8e jour du mois de septembre de l'année en cours. Votre avis. Je commence par à lire les précis de l'article 100 du décret du 6/1969 portant contre le procédure pénale. L'appel peut être fait soit par déclaration en référence au bas et l'original de l'acte de signification, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu les jugements peut-être. Si tu l'as pas dit, si tu l'as fait. Et donc, c'est conforme à la conséquence d'être connue, c'est la suite. Merci, monsieur le procureur de la République, pour avoir négocié. Le tribunal constate que cet acte d'appel se rapporte avec le dossier sous cette sama qui est le 30-838 par chambre 3 et par voie de conséquence, nous pouvons que ce soit dans la présente cause en attendant que le juge d'appel puisse commencer par l'ancien premier dossier. On aura été une décision. Comme on venait de constater, le tribunal de paix de Kinshasa a commis une histoire. L'affaire qui oppose M. Gauthier-Séi à M. Sali, pour pas au motif que M. Gauthier-Séi vient de brandir sur les bancs un acte d'appel contre la décision que ce tribunal avait rendue la fin dernière. Comme exige le principe légal, comme exige la loi. Dès qu'il y a un appel dans le dossier du tribunal d'accessoire, pour que la juridiction supérieure, le cas express, donc le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, connaisse le pourquoi de cet appel. Alors, fin de l'audience, pour le compte du jugement télévisé des droits humains, Merlin Kamalandwa, l'homme des médias. L'audience est suspendue, mais on nous retrouvait certainement devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour connaître les motifs de cet appel.